Salut, ici nous sommes sur un nouveau projet où nous allons élever 5000 poissons sur moins de 100 mètres carrés, comme vous pouvez le constater. Donc ici nous allons faire des bacs hors sol, ce que nous appelons des bacs hors sol, nous allons utiliser des bâches. Donc nous avons arrangé la surface, que je vais me rapprocher tout à l'heure pour vous montrer. Là nous sommes en train de vouloir faire 5000 poissons sur 100 mètres carrés. Donc là, c'est juste un petit espace que je suis en train d'exploiter et qui pourra nous donner beaucoup d'argent juste en 4 mois. Donc, le chiffre d'affaires que nous souhaitons réaliser là est estimé à plus de 6 millions en 4 mois. Donc, sur 5000 poissons, nous nous apprêtons à sortir en 4 mois plus de 5 tonnes de poissons. Donc, je vais me rapprocher pour que vous essayiez de voir un peu le projet que nous sommes en train de vouloir mettre là. Et c'est un projet que vous aussi, vous pouvez mettre directement sur pied dans vos fermes, sur un endroit, sur une petite espace dans votre cour. Donc, ça ne nécessite pas une si grande espace. Donc, si vous avez moins de 100 mètres, vous pouvez réaliser la même chose où que vous soyez. Donc, je vais faire une vidéo au fur et à mesure, et je vais vous montrer l'évolution de ce petit projet. En moins d'une semaine, nous allons monter 5 bacs de 5 mètres cubes chacun sur cet petit espace. Non, 4 bacs de 5 mètres cubes sur cet petit espace, et vous allez voir et apprécier. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et vous allez suivre ce projet étape par étape. Donc nous allons d'abord commencer par niveler le sol, couler le sol avant d'installer les bacs. Nous allons faire des bacs en bâche. Donc le montage des bacs en bâche, je vais faire des vidéos pour que vous essayiez de voir. Et durant la formation, pour ceux qui souhaitent faire la formation en présentiel, c'est toujours possible. Vous pouvez me contacter et participer aussi. Et pour ceux qui souhaitent adhérer au groupe Telegram et bénéficier des vidéos démonstratives et poser des questions, vous pouvez aussi me contacter et adhérer. Donc je vais me rapprocher, mon maçon est encore là, il va essayer de vous expliquer ce que nous allons faire là sur le site. Et moi aussi je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, comme vous observez là, ce sont des bacs piscicoles. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, vous avez vu comment j'ai récolté le poisson toute la période d'examen sur ces bacs là. Mais il se peut que ces bacs sont insuffisants parce que la demande sur le marché ne fait qu'augmenter actuellement. Nous n'avons plus de poissons à livrer, donc c'est pour ça que nous avons décidé d'agrandir l'espace et pouvoir produire un peu plus. Parce que la demande est forte sur le marché, elle est énormément forte. Actuellement, je n'arrive pas à satisfaire la clientèle, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'augmenter 4 autres bacs pour lancer 5000 poissons. Dans ce projet, vous aussi, vous pouvez faire le même projet où que vous soyez, ou alors si vous êtes dans l'une des villes du Cameroun, nous pouvons venir sur place vous aider à réaliser le même projet. Donc, je vais me rapprocher et faire une vidéo pour que vous essayez de voir de plus près. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Parce que là, nous avons un puits et il se peut que le puits va être insuffisant. Mais je vais vous montrer au cours des prochaines vidéos comment nous allons faire pour avoir assez d'eau pour pouvoir satisfaire tous ces bacs-là. Plus les quatre bacs que nous allons monter là, que nous allons monter ici là. Donc nous avons un château là qui nous ravitaille en eau, mais c'est ce même château qui ravitaille la porcherie, qui ravitaille le poulailler. Mais je vais vous montrer comment faire pour augmenter l'eau de votre puits. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos de ce projet, parce que ce projet va aller au fur et à mesure pendant 4 mois, et vous allez voir jusqu'à la récolte, le suivi des poissons, l'empoisonnement, les traitements que nous allons faire aux poissons, ainsi de suite. Donc la mise en eau, parce qu'il y a beaucoup d'études, même la tuyauterie, nous allons faire une tuyauterie, une canalisation. Il y aura des tuyaux qui vont passer en haut des bacs et des tuyaux d'évacuation qui vont passer juste en bas. Donc je me rapproche pour que vous essayez de voir, je vais essayer de vous expliquer comment on va faire. Donc, suivons la vidéo. Donc là, je vous présente déjà les bâches qui sont déjà montées. Nous avons nos 4 bâches. C'est eux qui seront les bâches que nous allons faire ici. Donc ce sont déjà des bâches montées. Donc je vais vous présenter comment nous allons faire le montage et faire l'installation sur cette petite espace. Donc là, je vous présente
mon collaborateur, le maçon qui a réalisé ce projet et qui peut aussi, si vous êtes dans la ville de Yaoundé ou au Cameroun, qui peut aussi vous aider à réaliser des projets pareils. Donc, sur cet petit espace-là, ici, voici les bacs en béton que nous avons déjà, qui sont déjà empoisonnés. Qui sont déjà empoisonnés, que je vous présente là. Donc là, nous allons sortir le poisson en décembre. Mais ici, comme c'est un endroit, un espace provisoire, nous allons faire les bacs en bâche. Donc, ils peuvent être modifiés à tout moment. Ils peuvent être enlevés à tout moment. Donc là, je vous présente le château. Bon, ici, c'est l'un des bâtiments de la porcherie. Bon, là, c'est notre fameux puits. Au cours des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment nous allons faire pour augmenter l'eau. Parce que c'est ce puits qui nous ravitaille tous les bâtiments de la ferme. Donc, il ravitaille les porcs, les poulets, les lapins, les canards, ainsi de suite. Donc, c'est ce seul puits-là qui ravitaille tous les bacs piscicoles. Donc, là, on a notre château. Mais il se peut que la quantité d'eau sera insuffisante avec ce bac. Mais je vais vous montrer des techniques dans le groupe Telegram quand vous avez un puits pareil et que vous souhaitez augmenter la quantité d'eau. Donc nous allons parler de ça dans le groupe Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, je vous conseille de me contacter et adhérer au groupe Telegram et voir comment tout va se passer. Ici, nous sommes dans une zone qui n'est pas encore couverte par l'électricité. Donc nous utilisons un groupe électrogène et un groupe électrogène qui a aussi ses avantages. Mais si vous pouviez aussi utiliser des plaques solaires et une pompe solaire, c'est encore nettement mieux. Parce que là, nous utilisons un groupe et nous rechargeons avec le carburant. Nous rechargeons le carburant constamment et c'est un peu plus coûteux. Donc, si vous avez des plaques solaires, ça sera encore moins coûteux. Donc, revenons à nos bacs. Ici, nous sommes en train de niveler pour rattraper le niveau du sol. Donc, d'ici quelques jours, nous allons empoisonner 5000 poissons sur cette petite espace. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et vous allez voir le montage des bacs. Et vous pourrez réaliser le même projet où que vous soyez. Ça fait des actions. On enlève les crânes. C'est bien.
Quand tu mets à l'intérieur ici.